Salut mes gens, bonsoir ou rebonsoir. C'est un direct imprévu. Je ne voulais pas faire des directs ce soir. Je voulais pas faire des directs ce soir, mais je veux qu'on parle de l'assassinat ou encore du meurtre de cette jeune Camerounaise, Becky. Enfin, on a un nom. On peut enfin poser un nom sur le visage de cette femme-là assassinée cruellement à Paris hier, Becky. Donc, venez, on va parler un peu de tout ça. Les rumeurs vont bon train. Partagez un peu, comme ça on va parler de tout ça. Bah, je vais pas parler tout seul, hein. D'accord? Et je vais d'abord, auparavant, trouver déjà la vidéo de tout ça et aussi vous montrer la photo de cette Becky. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce que non, moi, j'avoue que hier, je n'étais pas encore bien informé par rapport à ça, parce que je n'ai pas le temps. Et tout naturellement, sur les réseaux, les informations atterrissent sur votre fil d'actualité, parfois en compte-gouttes. Et c'est suite à une vidéo coupée que j'ai pu avoir une astuce, enfin, que j'ai compris où il fallait aller chercher. Donc, j'ai vu une vidéo coupée qui parlait de ça justement. Et je crois que j'ai assez pour donner mon point de vue. J'ai assez d'éléments pour donner pour décrypter. Parce que hier, j'avais très peu d'éléments. Ce matin encore, j'avais très peu d'éléments. Alors, la page Bertrand Chic-Saumon est encore restreinte 39 heures. Dans 39 heures, on rentre chez nous. Dans 39 heures, on rentre chez nous. Sur notre page officielle, Bertrand Chic Saumon. Évidemment, Monsieur Saumon, c'est une page d'appoint, c'est une page de secours. Merci quand même de me suivre ici. Mais je préfère Bertrand Chic Saumon, enfin, l'autre page, parce que sur cette page-là, mes outils de monétisation fonctionnent. Donc, du coup, ça me plaît beaucoup comme ça. Muriel, bonjour Muriel. Becky, elle s'appelait. Becky, elle s'appelait et elle est arrivée en France il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Morte parce qu'on a commandité son meurtre. Question. Morte parce que les clients sont venus et l'ont assassinée. Mais c'est clair que les personnes qui sont arrivées chez cette femme-là, bonjour, venaient l'assassiner. Les rumeurs disent que c'est sa copine. Hein? Oui, on va rentrer à la maison. Les rumeurs disent que c'est sa copine, mais est-ce que... Allez, je veux qu'on... Je veux attendre, avoir plus d'éléments, je vous dis des choses. On va accueillir du canal officiel qui va arriver d'un moment à l'autre. Et on va parler de tout ça.
Et j'ai trouvé quelques photos ou encore quelques... Pardon. Bonsoir du caméra. Bonsoir Bertrand, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi-même? Ça va, hein, j'ai un peu de temps, je suis fatigué, j'étais bien en live, j'ai bien fait un petit tour avant de Merci. revenir pour toi. Merci de ton intérêt à participer à ce live. Oui, bah, j'imagine que tu comprends de quoi il s'agit, puisque j'ai vu que toi aussi, tu en avais parlé en journée. Hein. Tu as fait un petit post par rapport à ça. Enfin, c'était dépuisé d'ailleurs. Mais tu penses que c'était un coup monté du camel ou tu penses que c'est un client qui l'a tué tout simplement? Oui, parce que ça Mais part dans tous les tout, sens. ouais, tu me connais, moi je ne veux pas dire ce que je ne sais pas, je ne sais rien, j'ai vu comme tout le monde et je regrette ce truc qu'on a longtemps combattu sur la toile, la bord des rings. On a fait que combattre ça. On a nos soeurs qui sont en train de faire l'apologie de ça tous les jours, matin, midi, soir. Et voilà que je ne sais pas, c'est pas. Non, c'est pas elle, hein. Cette vidéo, c'est pas elle. C'est pas la personne. C'est une fausse vidéo, ça. Non, ça Comment c'est. Non, ça c'est. Non, attends, je t'explique. Ça c'est la vidéo de la caméra de surveillance. Mais la vidéo prise à l'intérieur, c'est ça qui fait polémique. Parce que. non, c'est pas. La vidéo qui est publiée depuis le matin, c'est pas la vidéo de la dame. Moi, je vais l'effacer. Moi, si je l'ai publiée, je pense pas. C'est une fausse vidéo qui est publiée. J'ai publié, mais je vais l'effacer. Mais C'est avant, le pas. logo se dit, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Non. la vidéo de la Parce vidéo? qu'elle dit ça, est-ce que elle a la science? Ce n'est pas la vidéo de la dame. Non. Oui, mais j'ai aussi remarqué qu'elle était blanche. Attendez. Non. J'ai aussi vu qu'elle était Pas. fortement blanche. Bon, attends, du coup, on va aller progressivement. Hein. Est-ce que cette fille, c'est la dame? C'est elle, Becky? Voilà, donc c'est elle, Becky. Mais ici, regarde voir le pied qui sort. Regarde voir le C'est pas pied. la. Même Attends, si c'est le pied, c'est pas la on vidéo. regarde la vidéo, s'il Mais te plaît. j'ai vu. Tu me montres une vidéo que j'ai publiée. Voilà. J'ai vu ça. Pas elle. C'est même pas l'endroit là qu'elle est morte. Moi, j'ai des amis qui vendent le piment. C'est pas ça. C'est pas ça. Et fais gaffe. Après, tu vas faire signaler que tu n'as pas fait cette vidéo. Tu vas faire la violence là. Et t'as même tu veux bloquer ta page d'écran. Non, attends, attends, ce pied-là, voilà le pied que tu vois là, est-ce que c'est pas... Bon, moi j'ai un peu douté, mais quand j'ai vu le pied de la femme, ce pied-ci, bon, elle est forte, claire de peau, la dame en question. Bon, est-ce que le pied-là peut être le pied, est-ce que, bon, elle est fort claire aussi, non? Bon, en tout cas, du coup, elle dit que c'est pas elle, mais en tout cas, la maman de beau gosse pense que c'est elle, et à part La sa vidéo copine. là, moi je suis à Paris, après c'est parce que quand j'ai une information, je suis de quoi? C'est pas la vidéo là, c'est pas elle. D'accord. Ok, bonsoir avec copine. Mais Oui, mais... elle est morte de la même façon, de toute façon elle est morte pareillement. Voilà, elle est Non. morte comme ça. Bon, là, quand on entend les commentaires sur elle, ce qu'on dit par rapport à elle, apparemment... Elle avait beaucoup de succès et c'est un peu comme si la maman des bobos était en train de dire que on l'a assassinée, que c'est un coup monté, que ce n'est pas un client, par exemple, extrémiste, par exemple, puisque on attribue l'assassinat des prostituées aux musulmans très extrémistes. Donc, ce n'est pas l'œuvre d'un extrémiste. Tu penses que c'est l'œuvre d'un extrémiste musulman, du Khmer? Moi, je ne sais rien, je ne peux pas dire. Je suis pas du genre à avancer des avis sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Quand je t'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas la vidéo, parce que j'ai vérifié que ce n'était pas la vidéo. Mais maintenant, moi, j'ai toujours une réserve dans ce Bah, cas-là. Je comment ne veux pas ça? dire. Oui, pardon, pardon. Oui, Voilà, moi, j'ai une réserve. Je ne veux pas, parce que j'ai aucun avantage à venir dire des choses dont je n'ai pas les sources. Je ne communique pas comme ça. Voilà, j'ai écouté l'étoile qui vient aussi parler de ça. Jean a maîtrisé le dossier au point de dire qu'elle confirmait qu'on lui avait parlé avec qui là.
faites très attention. Moi, en fait, je vais rien dire aux gens, mais moi, c'est pourquoi j'ai jamais eu des problèmes quand je découvre ce genre de choses, parce que je fais très attention. Voilà, quand tu viens dire qu'on lui a fait ça, si on te demande les sous, tu vas dire quoi? Rien. Mais du coup, en fait, là, on entend des personnes. Allez, tu es parisien, certes, mais cette fille était une primo-arrivante. Elle arrivait à Paris il y a 3 mois. Et la maman des beaux gosses semble. Est-ce que tu as su le live de la maman des beaux gosses qui a été avec quelqu'un qui connaissait cette béquille? La maman des beaux gosses dans ses analyses, elle n'est pas souvent vraie. Si tu veux, mets le direct de la maison, de la maison un peu le direct, je ne sais pas si elle a commencé ou pas, avec la soeur de, avec la copine de la dame. Il y aura plus d'explications parce que l'argent, ça risque d'être. Oui, mais attends. Écoute un peu. En réalité, on pense que c'est un coup monté. Donc, ce n'est pas l'œuvre d'un extrémiste musulman. Puisque si ce n'est pas un extrémiste musulman, pourquoi est-ce qu'on tue une prostituée? Sauf les extrémistes musulmans le font. Bon, ce sont tes mots, hein, pas les miens. Moi, Mais toi, tu penses quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on tue une prostituée à je ton ne peux pas avis? Quels sont les profils? expliquer. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui en a. Tu peux te Oui, mais dire tu que. comprends pas. Tu n'analyses pas, mais. Non, Donne-toi non, à raconter non. comme ce que tu penses. Je ne Bon, vais pas c'est on va condamner la dire. prostitution, certes. Il ne faut pas non plus dévier le sujet, hein, parce que l'idée ici, c'est de dire que la prostitution Voilà. est On va, il y a des dangereuse. enquêtes qui se suivent. Après, il y a les gens à côté. La plupart, il y a beaucoup de. C'est des trucs qui arrivent. Bon, maintenant, je ne veux pas dire, je ne sais pas, moi, je ne suis pas une prostituée, moi. Il y a ces cas-là, qui arrivent tout le temps, ces filles-là se font kidnapper tout le temps. Bon, j'explique quoi? Moi, je ne sais rien, je parle de détails, j'ai vu comme tout le monde. Je pense D'accord, quoi? ok. Ça va, merci du caméra. Merci Que je infiniment. pense, moi, que continue de dire aux gens que ce travail, ce n'est pas un travail fiable. Toi et moi, on a passé le temps à prôner les valeurs du travail ici. Quelque chose que les gens ne voient pas. Toi et moi, quand on est connecté tout le temps, on dit aux gens, puisque toi et moi, on travaille, on ne se cache pas, on ne cache pas notre vie laborale. On n'a fait qu'encourager les gens. Les gens qui sont là en train d'encourager les paresseuses sur Internet qui font l'apologie de la prostitution tous les jours, elles sont en train d'encourager, elles sont en train de vénérer les femmes qui encouragent les femmes à se prostituer. Tu vois? Toi et moi, tout le temps, on va travailler, on va au direct, on encourage les gens à bosser. Voilà. Maintenant, Ouais. qu'est-ce que. Quelle est la morale? Les gens viennent raconter quoi? Nous, on dit aux gens qu'une femme doit travailler, ce que Bertrand et Ducamé disent aux gens. Bon, maintenant, les gens qui adoubent la prostitution, les conneries, bah, j'aimerais qu'ils ferment leur bouche. Voilà, parce que si vous vénérez des prostituées, vous n'allez pas venir parler de cette fille. Parce que beaucoup de gens sont en train de la prostitution à cause des gens de Facebook. Désolé, les gens qui ne jugent pas leur travail, qui passent le temps à monter des cendres et tout, vous voulez quoi? Et tu es une femme, tu supportes ça, tu as une parole de quoi? Je ne veux, ça, il y a des gens qui se mettent leur bouche en fait. Voilà, je parle de tout tranquille. Parce que vous vénérez des femmes qui mènent le même train de vie que la dame. Vous vénérez ces femmes-là, vous les adorez. Donc vous aimez ce métier. Voilà, la dame, elle est dans le discours que j'ai avec l'écran, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais Oui. évidemment, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais si on l'a aussi assassiné, on doit en parler. Ben Ou oui, encore, non, pas en parler. assassiné. Évidemment, on l'a assassiné. Si ça a été commandité, j'allais dire, on doit en parler aussi. Si ça a été Je commandité. sais pas, pour mon cas, je n'ai pas les terrains, j'ai aucun élément qui me permet d'avancer cette thèse-là. Non, je n'ai aucun élément. Mais j'écoute, je t'entends dire, toi, tu sais sûrement sur quoi tu te bats pour le Non, dire. non, enfin non, on est sur, tous sur les réseaux. Bon, et puis on sait comment ça Voilà. fonctionne. Généralement, ceux qui tuent les prostituées ou les transgenres, ce sont des extrémistes, que ce soit musulmans ou catholiques. Ce n'est pas des voyous. Ou encore, on peut aussi les tuer parce qu'on a essayé de les voler. Donc ça peut aussi arriver, mais ça arrive très peu. Généralement. J'ai écouté une source, je suivais un direct sur TikTok, on disait, oh, la source est donc dans un live TikTok, où on disait qu'elle venait de bouffer 35 000 euros, 35 000 euros de tontine, et que les gens étaient au courant, ce serait, d'après ce live-là, d'après ce qui était dit dans ce live, les gens qui savaient qu'elle avait 35 000 euros qui lui auront montré ce guet-apens. Généralement, à Paris, dans les affaires des tontines, les gens se font agresser. Il y a beaucoup de personnes. Quand on sait que tu bouffes la tontine, les gens, on agresse les gens. C'est Donc, pourquoi dans les tontines, c'est payé. tu crois que on l'aurait agressée parce qu'elle avait bouffé la tontine, mais Je viens d'où de te sortent donner ces la sources-là? source. Je viens de te parler français. Que la source
ce que j'ai appris dans un live. Tu vois? Mais c'est pas ce que je pense, moi, non. Parce qu'il faut bien communiquer. Que j'ai appris dans ce live que la bouteille est tombée de 35 000 euros et qu'on lui aurait justement monté ce guet-apens. Je n'ai pas les sous. Ça venait de ce live-là. Donc si on me demande d'où tu as appris ça, c'est dans ce live. Oui, mais bon, ça devient, c'est pareil, un peu comme ce qu'est l'apparemment les Bogos. Donc, c'est un peu pareil, hein, c'est les 8 dires. Donc. Bah, c'est clair que si un groupe prend 5 000 euros, si réussit, les gens partagent le direct, C'est partagent pas la vraiment vidéo, c'est très plus, c'est difficile. pas vraiment plus que c'est ça qui est. Allez, on Mais ne peut pas dire que c'est pour ça non plus. Mais de toute façon, du PMS, c'est vrai ce que tu dis, mais je veux bien, je te comprends, hein, d'accord. Mais j'étais dans l'optique qu'il y a eu. Bon, j'étais en train de dire qu'il y a eu. Complot. Tu comprends? la Parce base de quoi? que. Sur la base de quoi? Mais non, non, de toute façon, c'est mieux que tu me laisses décrypter tout ça. Et voilà, Ne je sois vais pas détailler au fur et à mesure. Parce que c'est pas. Je ne veux pas tout ça comme ça. sois Oui. pas hostile à la contradiction, non. Parce qu'on ne peut pas dire la même chose. Ne sois pas hostile. Parce Bon, en que fait, je ne. c'est pas un débat, tu vois. C'est pas un sujet où on peut faire un débat. Parce que c'est un sujet morbide. Et on ne peut pas débattre dessus Ouais, comme on ne si peut non c'était. pas. On peut pas dire les choses dont on n'a pas les éléments, tu Oui, vois. mais on veut Voilà. comprendre pourquoi est-ce qu'une femme, une prostituée, s'est fait assassiner. Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a commandité son meurtre? Très souvent, Et. les femmes se font filam parce que les gens savent qu'elles ont beaucoup d'argent sur elles. Voilà, je parle. Oui, ça Très peut souvent, elles se être, ça font. peut arriver aussi. Et, Ça peut arriver, non, mais pas non, non, c'est toujours. pas. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Voilà. Donc, très souvent, c'est qu'il leur arrive. On les agresse énormément. Et peut-être que ça aurait mal tourné. Tu vois. On attend les nouveaux éléments pour se prononcer. Mais je pense que ce que je ferais, ou alors. Quand tu vas faire autre chose, c'est de vraiment détailler ce métier, d'exposer ce métier. Et je vais même m'appeler. Je t'ai dit que les sites où ces femmes vont s'arrêter, je vais même m'appeler là pour montrer aux gens c'est quoi ce sale métier-là. Voilà. Maintenant, Ouais, on mais de toute va. façon, la prostitution reste le plus vieux métier du monde. Et généralement, les femmes qui le font disent qu'elles n'ont pas le choix. Mais on a toujours un choix. Bon, du coup, mais en fait, ce que je voulais faire, je voulais qu'on écoute un témoignage d'une dame qui connaît, justement, qui a connu cette béquille. Donc voilà, donc c'est ce que je comptais faire. En fait, je n'avais pas pensé qu'on devait parler de ça comme ça. Donc je voulais faire un direct et laisser écouter ou encore laisser témoigner, n'est-ce pas? Les personnes, Bah par exemple, Liliane Tebi, oui. je te laisse dans le poussure, moi je suis en bas. D'accord, merci infiniment, Comme caméra. ça, tu vas être mieux concentré. Parce que moi, je sais que le fait que je ne sois pas toujours d'accord, ça peut me déconcentrer. Non, c'est pas ça. Après, non, tu remontes après, hein. Quand la femme témoigne, tu peux remonter, donner ton point de vue par rapport à ce qu'elle a dit. Oui, parce que c'est, en fait, ici, l'idée, c'est de comprendre si cette femme a été assassinée par des musulmans extrémistes. Ou s'il y a complot, si effectivement ses copines l'ont assassiné. Parce que quand j'entends ce qui se. Attends, quand j'entends ce Mais qu'on toi, dit. on dirait Oui. que tu n'as pas peur de te signaler. Hein. Masque tes mots. Hein. On dirait que tu n'as pas peur que ça Mais passe je ne dis rien de assassiné. mal, je m'exprime. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, quand tu parles assassiné, toi-même, tu ne sais pas que si tu Ah as oui, attrapé, tu sais d'accord. quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Ah oui. Tu dis beaucoup de choses, tu dis musulman, machin, truc, tout fait. Sauf si tu veux garder ta phrase. Hein. Oui. Est-ce que ce sont les extrémistes wadio qui ont fait le truc ou est-ce que voilà. Donc, Mais en tant c'est qu'apparemment des bogos, c'est un peu comme si. c'est le client qui est arrivé chez elle parce qu'elle a mis l'annonce. Le client, c'est pourquoi je vais détailler ça très bien tout à l'heure. Oui, on sait ça, on sait ça, on sait ça, on sait que c'est une annonce qu'on passe, d'accord? Mais le véritable problème, c'est pourquoi est-ce que Le même client, après ça. mort, on ne dit pas des choses gentilles? Sur sa dépouille. Voilà, dit qu'elle poussait trop. Ça veut dire quoi, pousser trop? J'ai entendu ça quelque part, qu'elle poussait trop. Je n'ai pas compris cette expression-là. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, pousser Mais trop? je parle, moi, sur 1 million de personnes qui vont parler de ça, tu vas analyser mot par mot ce que les gens vont dire. Non, Rien surtout la jusqu'ici. question, c'est quoi pousser trop? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où tu as entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est non plus, parce qu'on dit qu'elle poussait trop, elle poussait trop. Et on voyait qu'elle, apparemment, c'était une belle étoile. Quand elle était là, on ne voyait plus personne. Et ça faisait des jaloux. Mais bon. Quand quelqu'un est décédé, les gens disent ce qu'ils pensent.
Toi, tu n'as même pas dit. Oui, mais que pas c'est des lui qui est du choses. grand On ne dit pas des ah. méchancetés, suivez-moi. Bah, on dit des méchancetés, les gens disent toujours des méchancetés, tu ne peux pas empêcher de dire des méchancetés. Toi, tu es D'accord. là, on ne dit pas des méchancetés, tu vois. Est-ce qu'on Ça ne dit pas va. des méchancetés? On Ouais, dit du des coup, méchancetés. j'ai pas beaucoup de temps. J'ai 1 heure. Tout simplement, donc, on va faire tout ça en 1 heure. Donc, s'il te plaît, je veux qu'on écoute le témoignage de Vas-y cette alors. dame-là. Je suis en bas. Je suis en D'accord, bas. Je merci suis en bas. infiniment. En train de s'arroser, comme je vois qu'elle s'arrose comme ça. Elle est arrivée en Europe quand? Ils ne sont pas venus pour acheter un piment parce que, écoutez, ils étaient deux. Un se cache en dessous des escaliers, l'autre entre. Ils sont. Et c'est les appartements qui sont aménagés spécialement pour ça. Parce que la personne, quand la personne sonne, la personne dit qu'elle ouvre légèrement. La personne dit que oui, elle dit, elle commence à donner le premier, elle dit, il faut Je t'en attendre un peu. prie. Le gars l'a une fois poussé. Elle a crié, elle a beaucoup crié. Donc si on dit qu'elle était là avec sa copine devait comprendre les cris. Elle a hurlé, elle a crié, mais de toutes ses forces. Elle a semblé jusqu'à agoniser. Elle a crié jusqu'à agoniser. Oui, donc la maman, Elle était jalouse. des beaux gosses dit qu'elle allait. Attendez. Qui dit qu'elle est déjà morte, laissons-la tranquille. Oui, on parle à laisser, mais on doit éduquer. On était à ma maman ensemble, elle aimait trop pousser la place. Elle aimait trop pousser la place. Mais ça veut dire quoi pousser la place? Oui, attends. Oui, mais pourquoi? Mais il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon, on part du principe que la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est bon, la page de la bande de Bogos, hein, puisqu'elle semble connaître la personne. Apparemment, les deux personnes qui sont arrivées, hein, sont venues là qu'il a, parce qu'ils ont défoncer la porte pour rentrer. Et c'est vrai qu'on entend la voix d'une Africaine. Bon, on entend la voix d'une Africaine. Mais quand j'ai vu la photo, le pied, c'était trop blanc. Mais la fille est bien décapée aussi. Donc, ça pouvait être son pied. Mais la copine a donc filmé. Mais bon, on dit qu'elle était là et elle n'a pas entendu les cris. On dit qu'elle n'était pas loin. Bon, il y a trop de zones d'ombre, quoi. Bon, apparemment, elle n'était pas aimée. On vient d'entendre qu'elle avait bouffé 35 000 euros. Enfin, ça va dans tous les sens.
connaissance. Bon, écoutons un peu des personnes qui semblent peut-être la connaître un peu. Écoutons. Quel gâchis dont tu bosses ça. Bon, c'est vrai pas que je ne parle pas des morts, mais sachez qu'on ne profite rien de la prostitution. Je vous assure, vous ne pouvez pas bosser et venir en Europe vous prostituer. Ça n'a pas de sens. Ben trois ans après avoir bosser, et puis on te kidnappe comme ça, mais attendez, c'est vrai que bon, on ne peut pas. Du coup, est-ce que tu comprends pourquoi je t'ai dit tantôt qu'on ne pouvait pas. Il y a quand même mort d'homme. Tu vois, donc c'est pas un simple débat. Tu vois pourquoi je suis pas à l'aise qu'on allez qu'on dise que non, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est un peu. Bon, elle est morte, c'est question. Donc après, les à côté, c'est pas le moment de parler de ça. On peut pas prendre ça avec autant de légèreté, même si on la connaissait pas. C'est quand même une personne décédée dans des pires conditions. Donc ça mérite qu'on respecte quand même sa dépouille. Enfin, le fait d'en parler, en parlant, quoi, en parlant, bien sûr. Voilà. Donc, quand je dis qu'on laisse des personnes qui. Cette dame, apparemment, la connaît, même si elle n'avait pas vu depuis qu'elle est arrivée. Parce qu'elle se parlait au téléphone, mais elle est arrivée il y a 3 ans. Et ça passe tellement vite. Et si elle s'est prostituée en arrivant, c'est clair, quand on s'est prostitué, on a l'impression que la vie, on ne vit plus qu'à 24 heures, mais 48 heures, parce que les prostituées n'ont pas de journée de 24 heures, comme tout le monde, puisqu'elles reçoivent des nuits, des jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, dans cet engrenage-là, vous ne pouvez pas voir 2 ans passer, ou 1 an, vous voyez. Donc, sans doute, c'est comme ça qu'elle est restée sans contact avec cette dernière, mais. Celle qui est en train de parler, la Liliane Tebila, c'est apparemment quelqu'un qui la connaissait depuis le bled, puisqu'elle dit qu'elle a accouché son enfant devant moi, donc elle connaît la personne. C'est pourquoi je pense que c'est peut-être un complot, je n'en sais rien. Mais bon, mais ces bonhommes-là n'étaient pas des extrémistes. Si c'est les bonhommes sur la photo, c'est clair que ce n'est pas des extrémistes. Oui, puisqu'il y a que les extrémistes arabes pour tuer une prostituée, vraiment, ou encore des bandits. Mais on sait très bien que généralement les prostituées ont le Mac. Donc beaucoup de braqueurs ou encore beaucoup de pickpockets n'iront pas s'attaquer à agresser une prostituée, surtout qu'ils reçoivent dans une maison aménagée pour l'occasion. Parce que tous les prostituées ont des Mac. Et les prostituées, bon, très peu de personnes agressent des prostituées. Les personnes qui agressent des prostituées et les tuent. Il y en a, mais c'est un vice. Il y a un vice des Américains. J'ai vu dans des séries, des émissions, pas des séries, hein, des émissions, sur la criminalité ou encore sur les enquêtes judiciaires. Beaucoup de personnes sont condamnées parce qu'ils ont tué beaucoup de prostituées. Ah ben oui. Tout simplement parce qu'ils torturent, ils enlèvent la fille, ils l'amènent. Je sais pas, moi, l'Amérique est lâche. Il torture sa proie et il s'en débarrasse par la suite. Il finit avec. Bon, là, c'est autre chose. Mais ici, là, on voit deux Arabes rentrer et puis on entend la suite. Et est-ce des extrémistes prostitués? Non, est-ce des extrémistes arabes, pardon, musulmans, pardon, ou encore des personnes qui travaillent, tout simplement? Est-ce qu'on a commandité tout ça, est-ce que, voilà, parce qu'elle prend trop de la place. Écoutez, hein, c'est qu'on va dire qu'elle prenait trop de la place. On ne sait pas ce que ça veut dire prendre beaucoup de place.
D'autant plus que chacun a son étoile. Mais la prostitution, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres choix. Il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. On se prostitue dès lors qu'on refuse de faire avec ce qu'on a. Ça veut dire que moi, si je fais, si je m'habitue, ou encore si j'ai 5 euros, je fais avec, je ne vais jamais faire le tapin parce que je fais avec 5 euros. Mais si je veux 10 euros alors que je ne peux pas. Donc, soit tu travailles, soit tu fais avec ce que tu as. Voilà, donc, la prostitution, c'est ça. Donc, c'est les risques du métier. D'accord? Bon, écoutons un peu hein, la théorie de la... Écoutons la théorie d'avant les bobos. Je vais vous laisser écouter. Partagez, s'il vous plaît, partagez un peu mon direct. Oui, les tueurs en série, oui, je voulais pas le mot, voilà. Oui, le Land, c'est parce qu'il a suivi l'histoire du tueur du Land. Voilà, donc... Oui, bon, et puis la thèse du... Allez, la thèse qu'on serait venu prendre 35 000 euros, ça n'a pas de sens puisqu'elle n'habite pas là-bas. Elle n'habite pas là, puisque c'est les chambres de passe. Je ne sais pas si on a bien compris le déroulé. Bon, écoutons un peu la maman des Bogos, hein, parce qu'apparemment, elle connaît la personne. Bon, il n'y a pas question d'amitié. Arrêtez de vous prostituer. La prostitution... je ne vais pas vous déconseiller, mais je vais vous dire que ce n'est pas un bon métier. D'accord? Parce que je ne suis personne pour vous dire de ne pas vous prostituer, parce que chacun dira, moi, je n'avais pas le choix, moi, je n'avais pas le choix. Non, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et les vraies prostituées même, qui le font de manière assidue, ce n'est même pas pour faire quelque chose avec, c'est pour acheter la drogue. Hein. Voilà. Acheter la drogue. Donc, bon, je pense que les Camerounaises ne font pas ce genre de prostitution. On voit ça plus chez les Whites. Elle se prostitue pour acheter sa cam. Elle a ses 200 euros. Elle achète sa drogue. Elle est d'accord. Elle est OK pour la journée. Demain, c'est un autre jour. Mais non.
Même celles qui se prostituent pour les grosses sommes, ça reste toujours un métier dangereux. Et comme j'ai dit, beaucoup de la plupart des prostituées ne s'en sortent pas qu'elles dépensent autant qu'elles encaissent ou encore qu'elles reçoivent, puisque gagner 1500 euros par exemple en 10 jours, en un jour, d'autres le font, hein. Certaines vendeuses de piments blanches peuvent avoir cette somme-là par jour parce que les blanches sont très demandées. Bon, pour une prostate, pour une vendeuse de Ndongo Black, bon, c'est pas. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de succès hein, sur le marché. Hein. Bon, je ne veux pas être méchant, mais ça, c'est des statistiques. Sur le marché du sexe, dans l'industrie du sexe, les femmes africaines n'ont pas beaucoup de cotes. Vous voyez donc, le piment, c'est bon, mais les preneurs sont très rares, pas rares. Bon, on prend, mais ça ne marche pas comme pour une blanche. Par contre, une blanche peut vendre jusqu'à 1500 euros de piment par jour. Bon, je ne dis pas que je vais dire à ces femmes-là de ne pas le faire. Vous voyez, en Hollande, c'est encadré. En Belgique aussi. D'accord? Mais on ne peut pas vivre comme ça et s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand tu te prostitues pour une somme d'argent, quand tu te prostitues parce que tu veux faire quelque chose avec cet argent-là, dès lors que tu as réussi à avoir l'argent pour faire cette chose-là, tu ne vas jamais arrêter de te prostituer. Et même le jour de ta dernière passe, tu n'auras pas d'économie. C'est un cycle. Ça veut dire que tu fais des passes, tu achètes ou encore tu dépenses. Tu fais les passes, tu dépenses, tu fais les passes, tu dépenses. Et parfois, c'est pour des bêtes trucs. Les prostituées, c'est pas qu'elles dépensent. Bon, et quand on dit dépenser, c'est parfois dépenser pour une chaussure de 1000 euros, pour un sac à 800 euros. Donc, vous voyez, donc, vous faites des passes pour ces choses-là. Donc, même au bout de 20 ans, le jour de votre dernière passe, vous n'avez rien. Beaucoup de prostituées sont comme ça. Je ne connais pas. Bon, il y a quand même des prostituées qui ont fait des choses, mais elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Beaucoup ont fini comme ça, dans l'oubli. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux de travailler, n'est-ce pas? D'avoir. Et puis, une femme ne va pas laisser tout le monde mettre la main sur elle. Mais attendez, mais la femme est sacrée, le corps de la femme est sacré. Celle-là, béquille, on entend qu'elle a des enfants. Une maman d'enfant, elle a laissé son corps caressé par des hommes. Bon, elle sait ce qu'elle faisait, donc je ne vais pas juger ce qu'elle faisait. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas se prostituer du tout, parce que la prostitution, ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager en Europe en plus, en Belgique. En France, il y a le boulot, il y a le work, évidemment, il y a le work. Et c'est valable pour les hommes tchélères aussi, hein, parce que beaucoup de tchélères aussi le font, mais c'est aussi valable pour vous. Donc, il faut travailler. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans un pays d'Europe où il y a le boulot et ne pas travailler et être résumé à la prostitution. Donc, ça, c'est l'échec. Et toutes ces personnes-là qui ont commencé à se prostituer en 2000, se prostituent encore en 2024. Hein? Et ils sont toujours au même endroit. Hein? Ça, je vous le dis. Oui, le piment donne l'argent. Je ne dis pas que ça ne donne pas l'argent. Mais je dis qu'il y a les risques du métier. On peut en mourir comme cette fille béquille. Mais ça ne donne pas l'argent. Quel argent, dis donc? Quel argent? J'ai dit, ça donne quel argent? Comme ça, tu es. Ça donne que dalle. Le piment donne que dalle. Ça donne. Ortie de Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Ortie de Jésus. Le piment donne que dalle. Mais en tout cas, je pense que cette fille, c'était son jour. Donc, quoi qu'elle aurait fait. D'ailleurs, cette fille, cette femme qui a témoigné tantôt a dit que c'est Dieu. Allez, on aurait dû la kilam depuis le Cameroun. Elle a juste eu beaucoup de chance. Écoutez, c'est ce que la femme a dit. Donc, ça veut dire qu'elle connaissait l'élément. Mais dans ce cas, pourquoi monter un couple pour tuer une fille qui vient d'arriver il y a 3 ans? Elle est arrivée quand? Jusqu'à se faire des ennemis.
Waouh, le piment, les filles camerounaises adorent le piment. Non, l'argent sale, hein, l'argent, bon, imagine quand tu es, comme tu peux, bon, viens, je te chie dessus, quand tu es, si tu veux, quand tu es, si tu veux, je t'amène quelque part. Écoute-moi très bien, quand tu es, si tu veux, je t'amène quelque part, on te chie dessus. Et on te donne 2500 euros. Bon, on te chie dessus 30 minutes, hein. Mais comment ça? Comment ça, Flore vous a appris ça? Ben non, Flore, on a entendu les voix, ça. D'accord, on a entendu les voix, mais bon, est-ce qu'elle a fini, non? Est-ce qu'elle a fait encore? Qu'elle fait encore? Elle ne fait plus, hein? Mais la prostitution est dangereuse. Allez, c'est dangereux comme métier, donc quand tu vends ton piment, à combien? Mais ce qui est, voilà, le véritable problème, c'est que les filles camerounaises ou encore les femmes africaines font la prostitution barbac. Donc, font aussi la prostitution hors des sentiers battus. Et ça passe, ça les met vraiment en danger. Écoute, quand tu es, ne me parle plus de fleurs ici, d'accord? Donc, va loin, disons. Toi, tu aimes coller des têtes. Bon, je te suspends un peu parce que toi, là, bon, je vais te bannir même parce que. Tu m'énerves vraiment. Je te bannis, je veux te voir. Dégage. Je supprime maintenant tout ce que tu as écrit. Tu as un collier de tête. Toi, ce garçon-là, je ne sais pas si tu es un garçon ou un homme ou une femme. Tu as un collier de tête. Je veux te voir ici. Donc, s'il te plaît, dégage de ma page. Je veux te voir. D'accord? Je fasse tous tes commentaires et je te bloque. Je ne veux plus jamais te débloquer. T'es toujours en train d'aller d'artiser quoi. Moi, je ne veux plus de ça ici. Donc, je ne veux plus aller loin avec ça. Flore, Naou, ne me parle plus de Flore. Je ne connais pas de Flore. C'est moi et c'est pas de moi, putain. C'est une femme qui est vulgaire comme ça. Je ne veux plus te voir ici. Hein, et je suis sérieux avec toi quand tu suis. Je ne veux plus entendre parler de toi. D'accord? Donc, oublie-moi. Va ailleurs, putain. Pourquoi tu es une usine comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Je ne veux plus te voir ici. D'accord? Voilà, donc je t'ai bloqué. Et si je te vois encore ici, je vais te retrouver à flager. Ouais, c'est une femme. Oui, bonjour, Jacob Septembre. Tu vas bien, Jacob? Et Jacob Septembre, c'est un homme, c'est une femme. Et je loupe moi seulement, c'est quoi? Et toi, tu es une femme, je loupe moi seulement. T'es une femme ou t'es un homme? Bon, je vais pas être long, hein, parce que il est hors de question que je me prive encore de mes soirées pour les lives. Hors de question. Donc, je voulais juste te parler de cette histoire-là. Et allez, j'avais envie de parler parce que ça m'a. Voyez, ouais, je voulais qu'on en parle, quoi, que ça sorte en moi. Parce que j'ai été vraiment sidéré. Mais attendez, je vais montrer encore la vidéo que j'ai vue chez la maman de Beau Gosse. Hein. Et on va bien regarder. Allez. Non. Écoutez, tendez l'oreille, hein, si on entend une voix. Elle donne le prix, elle d'attendre en bas.
Bon, parce qu'elle a voulu danser, elle farote. La bonne question, hein. Est-ce que cette fille vendait vraiment le piment? Bon, est-ce que c'était vraiment, allez, elle vendait le piment, c'est sûr, puisque ses copines le disent. Mais est-ce que c'est vraiment organisé ou, mais c'est des génomes, ce n'est pas des extrémistes, hein. Franchement, je crois que je suis d'accord qu'on a ces enfants, ça ne peut pas être des extrémistes, ils sont des jeunes, des jeunes en plus. J'enlève le son, hein, parce que. Le son est insupportable. Putain, il faut. J'espère que vous allez avoir peur désormais, hein. Mais beaucoup de filles ont pris déjà peur. Parce que la porte même, à quoi, mais si tu ouvres la porte comme ça, sans chaîne, ça passe, c'est pareil. S'il y avait le truc là, la chaîne, le tout bloqué là, par exemple, ben il aurait. Mais je crois que c'est assez résistant, on ne peut pas casser ça facilement. On ne peut pas, ça ne saute pas automatiquement, non, c'est impossible. Parce que le verrou là, c'est. J'avais ça sur ma maison en Hollande, j'avais ça en Hollande, hein, sur ma porte en Hollande. Et j'avais remarqué, quand tu ouvres, on ne peut pas défoncer comme ça, c'est impossible. Bon, peut-être vous les prostituées, vous devez peut-être penser à sécuriser vos portes comme ça, à mettre cette chaîne-là, ou encore l'œil de Judas. Bon, l'œil de Judas, oui, mettez même l'œil de Judas, hein. Mais bon, c'était son jour, parce qu'il y avait la caméra de surveillance. Bon, du caméra, il dit que ça. Pas elle, je suis dans la caméra, je suis dans la caméra, je suis dans la caméra de surveillance. Bon, la maman des beaux gosses pense que c'est ça, et on avait entendu une voix camerounaise, hein, donc une voix de noir. Donc, on a très peu d'éléments pour affirmer ou. Ou non, si c'est vraiment elle, mais j'ai plutôt envie de croire plus au dit de la maman de Lugos parce qu'elle, apparemment, elle connaît un peu cette personne-là. Enfin, pas la connaître, elle connaît un peu, elle connaît un peu son entourage. Non, le sujet de Jacob, non, c'était, on parlait justement de la mort de cette femme camerounaise. Primo arrivante, hein, je vous signale, elle est arrivée en France il y a 3 ans, venant de la Turquie. Salut Mathé, je ne t'avais pas vu. Venant de la Turquie, et voilà que a assassiné par deux jeunes hommes, hein, parce que ces enfants-là, merde. Mais, hé, Seigneur, il aime ça. Waouh! Comment ils font pour assassiner une personne comme ça? Mais pour eux, la mort, c'est quelque chose. Mais les Français vont les arrêter. Si c'est vraiment eux là, les Français vont les attraper puisque tout est là. Ça a été filmé. Mais on dit que c'est sa copine. Pourquoi sa copine? Mais les vendeuses de piment, c'est toujours connu que quand les filles vendent le piment, il y a toujours une qui vend plus que l'autre. Même chez les whites, il y a ça. Il y a toujours une qui attire plus l'attention que les autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dit qu'on monte un coup pour la tuer. Ben, je ne comprends pas. Mais tu es arrivé en France. Tu te mets à vendre le piment. Mais attends. Ça veut dire qu'elle venait. Oh, je ne veux pas juger, hein. Mais franchement, Boza pour venir vendre le piment, c'est triste. Mais sachez qu'en travaillant, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, Thérèse, elle dit qu'elle dépense jusqu'à combien? Parce que ta limite, c'est jusqu'à combien, Thérèse? 15 000 euros. Bon, 15 000 euros, c'est la somme que Thérèse a envoyée, par exemple, à Dorcas.
Bon, 15 000 euros, c'est la somme que Thérèse a envoyée en Afrique, je ne sais pas moi, l'année dernière, si j'ai bien compris ce live. C'est en travaillant. Oui, c'est en travaillant. Quand vous travaillez, vous gagnez tout ce que vous voulez, vous achetez tout ce que vous voulez. Cette prostituée, ce n'est pas une alternative. Je suis désolé. D'accord? Voilà. Mais bon, qu'elle repose en paix, cette fille, qu'elle repose en paix, c'était son jour. Et voilà. Qu'elle repose en paix. Et puis voilà, son séjour fut très court en Europe, 3 ans. Donc, c'est bon, on ne peut pas dire qu'elle aurait dû faire ceci ou cela, mais c'est son jour. C'est son jour. Mais c'est vrai que sur les photos là, mais tu viens d'arriver il y a 3 ans et tu es en train de faroter comme ça. Même la personne, sa sœur là, qui la connaissait à pas. Elle est arrivée quand? Bon, là, elle était belle, non? Peut-être, mais bon, peut-être son piment, au fait, peut-être son piment était trop apprécié, mais on ne tue pas quelqu'un parce que son piment pique. Donc là, si on écoute bien la maman des beaux gosses, elle pense que sa copine est responsable de tout ça. Ouais, mais attendez. C'est clair que elle était ancrée dedans. Voilà. Elle est arrivée il y a 3 ans et voilà. Elle est partie comme ça, à peine arrivée. Bon, je trouve ça triste. Mais je dis toujours, il faut que ça serve des leçons. Si vous me suivez de la Turquie ou si vous êtes primo arrivante, sachez qu'en Europe, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a beaucoup de solutions. C'est vrai que ce n'est pas évident de vivre d'être sans papier et de recommencer avec rien. Partir de rien, oui, on part toujours de rien. Hein. On part toujours de rien. Et tout le monde est parti de rien en Europe. Tout le monde. Donc sans exception, tout le monde. Même ceux qui arrivent avec des cas de séjour. Doivent partir de rien, ils doivent trouver, ils doivent s'intégrer, travailler, enfin, voilà. Donc, on recommence notre vie. Et ceux qui arrivent, ou encore celles qui arrivent et pensent que se prostituer, c'est une façon d'accélérer, n'est-ce pas, la croissance des gains, à tort. Oui, c'est à tort. Parce que quand on vient en Europe, c'est parce qu'en Europe, il y a le boulot. Parce que même au Cameroun, on peut se prostituer. Hein. Et bon, je ne sais pas moi. C'est vrai que bon, je ne peux pas parler pour les Camerounais, mais je sais qu'à une époque, il y a 30 ans, des prostituées. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Bon, le mari, l'ex-mari de Tata Lolo, soi-disant, le faux Diala, sortait avec une prostituée qui travaillait au 78. J'ai toujours dit ça. Bon, ces prostituées-là, à l'époque, étaient comme des prostituées européennes. Elles avaient des chaussures de 700 000 euros, des 700 000 francs CFA. Elles habitaient dans des belles villas parce que les Européens les logeaient là-bas. Voilà, donc, la prostitution, c'est quelque chose qu'on peut exercer partout. Voilà, et c'est les mêmes hommes qu'on peut trouver tantôt à Paris, tantôt au Sheraton, là, voilà. Donc, dès qu'on vient en Europe, c'est pour changer de vie. Je suis désolé, on ne se prostitue pas en Europe. Même les prostituées d'Afrique. J'ai eu une amie très proche. Je vais taire son nom. Qui s'est prostituée pendant des années. D'ailleurs, elle était une privilégiée, hein, de Jean-Claude Noble. Pour ceux qui connaissent Jean-Claude Noble, elle était privilégiée. Ça veut dire que quand elle était là, Jean-Claude Noble ne pouvait plus regarder ailleurs. Mais quand elle est arrivée en Europe, elle a travaillé, hein? Elle a arrêté. Donc, elle voulait tellement faire métisse. Donc, elle a tout fait pour faire son gosse métisse, puisque en Afrique, elle ne pouvait pas en faire, puisque Jean-Claude Noël était vieux, donc c'était un vieux monsieur. Mais dès qu'elle arrive en Europe, elle réalise son rêve, fait son gosse métisse,
Et puis elle a vécu comme tout le monde, elle vit comme tout le monde maintenant. Mais ce qui est marrant, c'est que quand elle rentre en Afrique, parce que quand je suis rentré en Afrique, on s'est croisés. D'ailleurs, sa famille attendait beaucoup d'elle. Mais sauf que sa famille, elle était plus rentable en Afrique qu'en Europe. Ça, c'est la vérité, hein. Elle était plus rentable en Afrique qu'en Europe. Ça veut dire que ce qu'elle avait comme pognon, cette amie dont je vous parle, elle avait plus d'argent en Afrique qu'ici en Europe. Mais c'était un choc pour la famille. Et je l'entends dire que, vous savez, je ne suis plus la même personne qu'avant. Ben, oui, parce qu'on s'attendait au triple par rapport à ce qu'elle faisait avant. Bon, elle est arrivée, elle a débarqué au Serena. Elle était à Serena, c'est vrai. Bon, avant, elle n'aurait pas elle dormait au Sheraton avant. Non, pas le nouveau hôtel. Voilà, je veux dire, bien avant qu'elle parte en Europe, elle séjournait au Sheraton. Non, le nouveau hôtel, hein. Au Sawa, pardon, qu'est-ce que je raconte? Au Sawa pendant des semaines. Et quand elle revient d'Europe à Serena Hotel, à Bali, Serena Hotel, c'est où? Donc déjà, même la famille a commencé à dire, hein? Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, la prostitution, on ne voyage pas, on ne vient pas en Europe se prostituer parce qu'on peut se prostituer partout et avoir le même confort. Ça dépend de ton piment. Donc si ton piment n'a pas piqué au Cameroun, pour que tu aies tout ce que tu veux, quoi. Pour que tu trouves un homme qui mette toi à tes pieds. Ce n'est pas en Europe que tu vas trouver, hein. Ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas en Europe. Parce qu'une pute, qu'elle soit en Europe ou en Afrique, c'est le même style de vie, hein. Ben oui, puisque c'est les mêmes personnes qui prennent l'avion. Tantôt ils sont à New York, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont à Douala, tantôt. Ben oui. Et la pute, justement, elle est là, à cet endroit-là, où on fait la fête, où ces personnes se rencontre, voilà. Cette personne cosmopolite, je dois dire. Donc, si vous avez la chance d'arriver en Europe, travaillez et faites votre vie. La prostitution, franchement, c'est pas ici qu'on doit commencer à se prostituer. Et comme j'ai dit, les prostituées, les personnes qui se prostituaient au Cameroun avant, dès qu'elles sont arrivées en Europe, elles ont arrêté la prostitution. Donc, parce que si on veut voir un peu ce qu'on gagne ou encore ce qu'on perd en travaillant, on gagne beaucoup en travaillant, hein. On gagne beaucoup en travaillant. Oui, parce que tu ne peux pas me dire que tu débarques ici, tu fais là, tu te prostitues, alors qu'en Afrique, même si en Afrique tu t'es prostituée, tu ne t'es pas enrichi. Ce n'est pas ici, hein, que tu vas t'enrichir, c'est la même chose. Peut-être en Afrique, on te donnait 50 euros, je vais dire 30 000, enfin. Mais même une prostituée à qui on donne 30 000, comme ça par soir. Bon. Même ça, c'est un niveau. Oui, c'est un niveau. Il y a des niveaux des 500. Donc, c'est pas. Si tu n'es pas devenu milliardaire ou millionnaire là-bas, ce n'est pas ici que tu vas t'enrichir. Parce que c'est la prostitution. Quand il est dit que tu vas te faire de la thune ou que tu vas être une prostituée étoile, tu le deviens n'importe où. Et j'en ai vu des prostituées étoiles au Cameroun. Même la veuve Joyeuse, c'est une prostituée étoile. C'est une prostituée qui vivait. Pardon. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Non, c'est pas une prostituée. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas une prostituée, pardon. Bon, la veuve a travaillé, d'accord? Mais elle a trouvé son mari, donc. Du coup, elle vivait à l'occidental, quoi. Vous voyez? Mais bon, vous voyez que maintenant, la vie que la veuve mène maintenant est très différente de la vie qu'elle menait avec son expatrié. Oui, parce que l'expatrié au Cameroun, ce n'est pas le Watt d'ici, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Parce que. Le fait que la veuve vivait avec un expatrié au Cameroun et marié, je ne sais pas si c'était marié, mais de toute façon, ils ont eu des enfants. Voilà. Ça, ce n'était pas donné. Donc, si on regarde un peu, on va se dire qu'elle vivait mieux avant que maintenant en Europe. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prostitution, quand on est en Europe, ce n'est pas la peine. Parce que ici, on peut travailler, gagner sa vie. On peut s'offrir tout ce qu'on veut en travaillant. Voilà.
se prostituer, mais c'est quand il n'y a pas d'alternative. Et même, il y a toujours d'alternative. Parce que même au Cameroun, on peut vendre les tomates, hein. On peut vendre l'eau glacée, on peut vendre les bobolos. Cette bobolo-là qui a 12 000 tangs, voilà. Cette bobolo qui a 12 000 tangs, en plus, on peut vendre, on peut les attacher. Et je dois vous dire une chose. Ma soeur a vécu à Libreville. Et je vais vous dire ce que ma soeur faisait à Libreville. Elle attachait ses bâtons de manioc. Oui. Elle a fait ça pendant 2 ans et elle a pu rassembler l'argent qui l'a permis de voyager. Donc, dès qu'on lui a dit qu'il y avait un réseau à temps, c'est un bâton, elle a déposé, tac, elle a pris l'avion, elle est venue. Vous avez raconté ça, ça fait 2 ans, le 26 décembre. Voilà. Donc, il y a toujours une alternative. Et les robes ne fuient pas. Voilà, donc imaginons un peu si ma soeur arrive ici, elle commence. Bon, d'ailleurs, elle ne peut pas se prostituer. Parce que bon, elle n'a pas fait en Afrique, ce n'est pas ici qu'elle va le faire. Voilà. Donc, il y a toujours une alternative. En Europe, on a toujours le choix. Même en Afrique, ma soeur a fait des bâtons. Elle a attaché. Bon, bon, c'est vrai que c'était une espèce de mini-entreprise. Hein. Je vous l'explique. Ça veut dire qu'au Gabon, eux, ils ne savent pas faire ces choses-là. Donc, du coup, elle avait sa mini-entreprise. Les mecs attachaient pour elle tout ce qu'elle faisait. Elle supervisait et une fois la cuisson terminée, elle partait vendre le non-marché. Et voilà, donc elle se faisait ces 300 000 euros, 300 000 francs chaque jour. Hein. Bon, une fois, bon, 300 000, c'est le capital. Après, elle va payer ses gars et puis lui reste ce qui reste. Elle continue ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc on peut faire ça aussi. Il ne faut pas forcément penser qu'il faut faire le travail. Non. Voilà, donc. Il y a toujours une alternative. Et ça, c'est au Gabon. Ça, c'était au Gabon. Et on sait qu'au Gabon, la vie est dure au Gabon. Voilà. Pourtant, elle a quand même trouvé une alternative là-bas. Donc, il y a beaucoup. On peut passer la nuit à citer des alternatives. Bon, sans oublier qu'en Europe, c'est plus pareil. Voilà. Ma soeur, elle est arrivée, elle a commencé à travailler dans un café africain. Elle fait la cuisine 2 jours par semaine. Bon, maintenant, elle est au camp. Dans son pour son magazine. Voilà, donc l'esprit de travail, donc il y a toujours une alternative. Pourtant, elle n'a pas de papier. Elle va se dire, je n'ai pas de papier, je vais choquer. Non, non. Voilà, donc quand on se prostitue, c'est parce que c'est juste un prétexte. Quand on dit que oui, on n'a pas eu le choix, c'est juste un prétexte. Parce qu'on a toujours le choix. Mais quelle est cette femme-là qui laisse son corps qu'on touche comme ça? C'est dégoûtant. Je suis désolé, c'est dégoûtant. Ça me dégoûte. Oui, parce qu'on attendait, des inconnus vont venir vous toucher, vous tripoter, jouir dans vous. Vous allez sucer des inconnus. Voyez? Donc, c'est même pas un truc beau, c'est même pas un truc noble. Bon, autant mieux te faire être une femme entretenue. Voilà. Comme font beaucoup d'Américaines, hein, ce n'est pas des prostituées, c'est une forme de prostitution. Et donc peut-être, ce sont des chouka baby, on les appelle. Voilà, ce sont des chouka baby. Mais c'est quoi le mengue là? Que veut dire mengue? 12 mengue. Voilà, par exemple, j'ai vu un petit truc à la télé tout récemment, des jeunes chouka baby qui cherchent des chouka daddy. Vous voyez? Elles ont peut-être, c'est une forme de prostitution. Mais là au moins, c'est pas comme si elle recevait des mecs à la chaîne. Bon, c'est juste une façon de parler. Mais ni l'un ni l'autre n'aime mieux. Ni l'un ni l'autre. Parce que ce soit cette fille de Sugar Baby qui sort avec 5 Sugar Daddy, ça aussi c'est dégoûtant. Vous voyez, parce que à 22 ans, 23 ans, elle ne va pas respirer la laine d'un monsieur de 70 ans. Ou encore, bon, même de mon âge, hein, pour une jeune fille de 22 ans. Mon haleine, c'est quand même trop fort pour elle, puisque elle n'a que 22 ans. Donc il faut une femme. Bon, je ne pue pas de l'haleine, hein. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais il faut une femme de l'âge de Thérèse, par exemple, pour que nos haleines se choquent. Tu vois un peu. Voilà, donc, ce n'est pas évident aussi pour cette jeune chouka baby. Donc, on a toujours un choix. On a toujours le choix. Oui, Shuka Baby, oui.
Bah oui, bah, les choukas dédiés, oui, et c'est pour les choukas baby. Bah oui, hein. Mais les choukas mamie, on connaît pas toujours les choukas mamie, hein. Mais il y a aussi les choukas mamie, hein. Non, il n'y a pas les choukas mamie. On va parler des gougas, hein. Hein. Bon, je vais vous laisser. Je vais dîner et puis me préparer pour demain. Je vais donc. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez comme ça? Bah, il y a les choukas, mamie. Les bougas. Bon, Donny Donia, tu arrives quand je pars. Je dois déjeuner, dîner, hein, parce que. Bon, je vais vous laisser. Bon, du camer, elle va peut-être faire un direct, ou peut-être déjà en direct. Et voilà, donc, 12 menguens, c'est quoi? C'est quoi 12 menguens? Menguens, ça veut dire quoi, menguek? Ça veut dire quoi? Les faux profils rejettent ta main tendue pour Noël. C'est qui ça, les faux profils, Donny Donia? C'est qui? Brigitte Macron? Non. Ah oui, oh mon Dieu, je n'avais pas fait le lien. 12 nœuds. Ah putain, je n'avais pas compris. Mais c'est vrai que je tends l'oreille et j'entends 12 nœuds. Mais ah oui, 12 nœuds. Mais comment on dit nœuds même en bas du nez? Tout. Ouais. Tout. Mais comment on dit en baffant, Thérèse, en balançant. Non, toi tu es baffant. Comment on dit nœud en baffant? En bas du nez, on dit tout. Le bâton de manioc a 12 mengues. Le bâton de manioc a 12 tout. Bon, c'est pas trop joli en bas du nez. Oui, je crois que c'est beaucoup mieux 12 mengues. Mais les Étonne, c'est une langue chantante, hein. Ça dit la langue étonne, c'est une langue chantante. On peut chanter avec. Ah oui, Mengue veut dire les parties entre les nœuds. Bon, 12, comment on appelle ça? Les intervalles, 12 intervalles. Mais je ne sais pas comment on dit intervalle en bandoulet. Je ne sais pas. Le bâton de manioc a 12 mengues. Ça veut dire que le bâton de manioc a 12 intervalles. Ah ben oui, ça, il n'a pas tort. Mais sauf que je n'ai pas compté, je n'ai jamais compté. Mais on commence à 12 coups de pont. Comment ça, 12 coups de vent? Les bâtons de manioc, le bâton de manioc a 12 mengues. Oui, mais sauf que je n'ai pas de manioc pour compter. J'ai pas de manioc. Et le manioc, j'espère que le voir. Bon, je vais peut-être le voir d'ici peu. Quand ma soeur viendra, elle va m'en apporter. Et là, je vais compter. Et d'ailleurs, je vais dire à ma soeur de, si jamais elle a le manioc, qu'elle compte. Qu'elle me dise. C'est que ma soeur n'a pas toujours réussi à manger ce qu'on lui donne là-bas, hein, dans son truc. Elle n'arrive pas à manger. C'est trop à son goût. Bon, allez, je vais vous laisser. Et puis. Ah oui, donc c'est pas systématique. C'est pas toujours 12 mengues. Parfois c'est plus. Mais c'est vrai que j'ai jamais compté. C'est pas 8 mengues. 12 mengues, c'est un hyper bâton. Hein? Hein? C'est un hyper long bâton. Ou bien il parlait de. Est-ce que c'est le vrai bâton? C'est des carottes de manioc qu'on voit là. Ou bien c'est.
une métaphore. Mais en tout cas, le son, là, c'est un genre, un genre. Ça a pris, hein, franchement. Ça va être peut-être la musique allez, de Noël là-bas. Ils vont danser ça le 24 décembre. C'est sûr qu'ils vont. Ils vont beaucoup se déhancher avec cette chanson. Mais moi, ça ne me parle pas tant que ça. Voilà. Et c'est pas nouveau, hein. Même quand j'étais jeune, même quand j'étais adolescent, moi, ça ne me plaisait pas. J'étais vraiment. Ça, nous, c'est vrai, ça ne me plaisait pas du tout. Je n'aimais pas les musiques très ethniques, là. Ouais, c'est vrai. Donc, ça n'a rien à voir avec. J'étais toujours comme ça. Ah oui, pardon, t'as raison, Héro Coquille. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, je parle de moi, et puis ma soeur fait partie de moi aussi, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là. Merci infiniment, Héro, de me faire cette remarque-là. C'est vrai que c'est une remarque sage. Merci infiniment. Mais en fait, c'était pour donner un exemple, hein, parce que, bon, pour donner une idée, pour ne pas forcer, on n'est pas obligé de se prostituer, quoi. C'était un peu l'idée, quoi. J'ai pris un exemple sur ma sœur, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai fait allusion à elle. Mais sinon, c'était une erreur. Ouais. Bon, sur ce, on va se laisser. Et puis, on va partir. On va aller manger. Et du coup, lance ton direct. On vient. Ou peut-être déjà en direct. Je ne sais pas. Thérèse, tu t'es réconciliée avec mon partenaire? Mais vous, c'est quand la réconciliation avec mon partenaire, Thérèse? Quand la réconciliation? La pimentière qu'il a. Écoutons. C'est lui qui dit que quand elle était dans Ça, c'est la vidéo le de Ducamel. trou, Écoutons avant de elle partir. n'est pas casquée, elle n'est pas. Aucune gars ne peut tomber. Il y avait une caméra qui était Oui, braquée. mais quand tu dis ça, par exemple, sur une personne décédée d'un moment de Bogos. Oui, on va organiser ça. D'accord? Il faut faire la paix pour Noël. Et j'ai pu entendre que les faux profils ne veulent pas de ma main tendue pour Noël. Mais il faut bien faire une trêve, Thérèse. Que penses-tu de cette trêve-là? Il faut faire la trêve. Hein? Octobre, automne, amour, Noël. Thanksgiving. Thanksgiving est déjà passé, Thérèse? Attends, j'ai envie de manger. Thanksgiving est déjà passé. Donc, il y a trop de fêtes religieuses en cours. Donc, c'est mieux qu'on reste plutôt pacifique. C'est mieux qu'on reste pacifique. Voilà. Et puis, non, pacifiste. Oui, c'est mieux qu'on reste pacifiste. Ce n'est pas la peine de se crier dessus. Moi, de toute façon, je suis fatigué. D'accord? Je n'aime pas la force de Thérèse. Thérèse a la force. Et Thérèse, toi aussi, tu dois faire un break. Fais un break, tu peux animer tes followers autrement. Tu peux animer tes followers autrement. Voilà. Mais en tout cas, je ne suis plus. Je veux faire un break. Et la page Bertrand Chic-Saumont va être débloquée dans 39 heures. Et je vous invite tous à m'y retrouver dans 39 heures. C'est quand exactement? On va dire, c'est samedi matin. Donc samedi matin, c'est sûr, on va se retrouver sur la page Bertrand Chic-Saumont. Et je vous en supplie, ne signalez plus ma page. Laissez-moi faire ma chose, même si nous sommes deux là-bas. Et moi, tâcher de rester le plus poli possible. D'accord? Et le respect obligatoire. Le respect, c'est quelque chose pour qu'on te respecte, il faut respecter aussi la personne. Bon, par exemple, quand vous voyez, on respecte trop une personne, c'est parce que
Cette personne-là aussi respecte des gens. Parce que dès qu'on vous manque de respect, ça veut dire que vous avez manqué de respect à cette personne en face de vous. Voilà donc, si on se respecte mutuellement, on aura des très très bonnes relations, c'est-à-dire des relations sans nuages. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que depuis que je viens sur Facebook des Camerounais, je dis des trucs, j'insulte, je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Donc, je ne veux plus ça. Voilà. Donc, du Cameroun, tu m'as dit d'arrêter l'acharnement sur Flore. Mais j'ai arrêté depuis un moment. Mais toi, quand tu parles, mais tu parles toujours de ça. Tu vois, donc, s'il te plaît, ne me rappelle plus aussi ça aussi quand je viens au Sénat. Parce que bon, si tu es là, ou encore si tu es déjà parti, je ne sais pas si tu es encore là, n'oublie pas que j'ai dit que je n'étais plus dans quoi que ce soit, dans les clashs, dans le dénigrement, non. Et toi d'ailleurs, tu n'es plus là-dedans, tu l'as dit. Tu veux vivre en paix. Voilà. D'ailleurs, je t'invite à faire la paix avec Thérèse. D'accord? Julien vient dit, mais oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à la rose ce matin, hein. J'ai dit à la rose de faire un break. Bon, oui, on va faire un break. On est forcé de faire un break. Mais on ne va pas. D'ici quelques semaines, il y aura le sapin, il y aura Noël. Mais Noël, c'est une fête de convivialité, une fête d'amour, une fête. Et bientôt, l'automne va vraiment être sur nous. Hein. Je veux dire, on va, dans 2 semaines, on va, dans 3 semaines, pardon, on va changer l'heure. On va perdre une heure, dont une heure de clarté. Ça veut dire qu'une fois sur Internet, qu'est-ce qu'on va faire confiné? Parce qu'il fait noir dehors. Bon, moi, généralement, ça ne change rien pour moi. Hein. Mais pour beaucoup de personnes, très peu de personnes sortent. Beaucoup restent à la maison. Mais si c'est pour venir sur les réseaux se chamailler, on est parti pour s'ennuyer pendant l'automne. Donc, je ne veux pas m'ennuyer pendant l'automne. C'est pourquoi je souhaite qu'on réorganise notre Sénat. Et je vais suggérer à mon partenaire de débloquer tout le monde. Et on fait tabula rasa. Vous voyez? Tabula rasa. Parce que moi, je n'ai pas la même, je n'ai pas la force de faire des lives comme lui. Vous maintenez des heures et des heures. Non, non, je n'ai pas cette force-là. Mais chez lui, quand même, c'était un point de rencontre où Lolo venait de temps en temps. Flore venait, il venait, parfois qu'à moi, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'était très bien. Voilà. Donc, on a tué toute cette atmosphère-là, on a tué toute cette convivialité, et c'est triste. Voilà. Donc, si on pouvait, pendant la trêve, réaliser ça. Bon, les faux profils ne veulent pas de ma trêve. Voilà. Bon, si les faux profils n'en veulent pas, mais moi, je fais une trêve. Le compresseur n'attaque personne. Compresseur, elle, c'est la seule. Bon, elle fait des posts, des posts visés, mais faire un post, c'est très élégant. Pour ne pas s'étouffer avec son opinion, elle fait un post. Je trouve ça même très élégant de faire un post. Et un post, on répond à un post par un post. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre à un post par un live, fleuve. Un peu comme la rose a fait hier. D'ailleurs, j'ai condamné la sortie de la rose. C'est vrai que la rose, elle a le vent en poupe, elle est la préférée narcissique des abeilles, la copine de Flore. Enfin, du coup, elle a l'impression qu'elle a tout le monde à ses pieds. Bon, Sylvie Tenier aurait dit à la rose, rentre chez Compressor, c'est là-bas que tu as de la place. C'est là-bas qu'il y a une place pour toi. La rose a mal vécu. Et à traiter Sylvie Tenier de tous les noms. Oh, tu portes une poche à caca, tu es vieille, voilà. Mais sauf qu'ici, il s'agit de deux femmes bien mieux. Parce que la rose, elle est née peut-être en 79, Sylvie, peut-être en 75. Donc ici, on parle là de deux vieilles peaux qui se chamaillent comme des gamines. Donc, j'invite ces vieilles peaux-là à faire une trêve aussi. Bon, Sylvie Tenière, elle dans son élément. Elle fait des posts, oui. Mais Sylvie fait des posts sur tout le monde. Mais pourquoi c'est si particulier avec la rose? Je ne comprends pas.
Mais qui a déjà tâché Sylvie à cause d'un poste? Pas beaucoup de personnes. Peut-être toi et quelques poignées de personnes. Mais ma Rose, arrête ça, s'il te plaît. Fais une trêve pour Noël. Bon, rêve, Miaï, je ne veux pas parler à rêve parce que rêve et moi, on ne se parle pas. Tu ne la connais pas. Je ne connais pas cette fille. Donc, je n'ai rien à lui dire. D'accord? Voilà, donc c'était pour rêve, ça. Celle qui m'a dit, il faut dire à rêve d'arrêter. Ah, Julien Mien, c'était toi. Ah oui, Julien Mien, moi, je ne connais pas de rêve. Hein. Moi, je ne parle pas des rêves parce que je ne la connais pas. Voilà. Si tu veux qu'on parle de sa sœur, oui. Je suis disponible à parler de sa sœur si tu veux bien. D'accord, Julien? Ah oui, tu es plus précis maintenant. Le faux profil. C'est vrai que j'avais fait le lien avec Kouakoukou, hein. Mais tu dis le panier de cash refuse ta main tendue pour Noël. Pourtant, c'était une bonne coalition. Ben, s'il refuse la main tendue pour Noël, c'est parce qu'en prenant cette main-là, il n'a plus rien dit, puisque la plupart de leur temps, ils parlent de nous, de Ducamère et moi, voilà, il n'aura plus rien à dire. Voilà, c'est gentil de me dire, mais dans l'avenir, Donia, ne me ramène plus, ne me colporte plus ce qu'ils ont dit là-bas, parce que je ne les ai pas bloqués là-bas pour que tu me rapportes ce qu'ils ont dit. Tu vois, donc, dans l'avenir, merci voilà, de garder ça pour toi, parce que ça ne m'intéresse pas. OK, Donia? S'il te plaît. Et bien, je ne vois pas la pertinence. Mais de toute façon, il est question de ma main tendue, pas d'autre chose. Oui, on change l'heure le dernier jeudi du mois. Mais j'ai vu que vous étiez, Thérèse, tu sais que je ne savais pas qu'il y avait Washington et Washington DC? Oh mon Dieu! Et du coup, je me suis fait. Allez, j'ai fait un cours de géographie, hein, accéléré. J'ai mémorisé la carte de l'Amérique, allez, la carte des États-Unis. Donc, j'ai mémorisé. Donc, je sais où se trouve la Floride. Je sais où se trouve le Nevada. Je sais où se trouve Sacramento. Je sais où se trouve Chicago. Dans ma tête, je vois. Et je vois que Thérèse est en bas et New York est là-bas. Hein, Thérèse? Mais tu es très loin, mais tu es plus proche de moi. Hein? Ça veut dire que tu es plus proche de moi. Je ne sais pas si tu es en bas par rapport à moi. Les New Yorkais sont au même niveau que nous, non? Parce que j'ai l'impression que tu es au sud de New York, non, Thérèse? Washington est au sud de New York, d'ailleurs. Mais j'ai longtemps pensé que Washington était. Et que New York était plutôt au nord. Putain, bon, je ne vais pas me dévoiler, hein, mais ça m'a permis de me mémoriser des États américains. Donc, je sais que le Colorado, c'est au milieu. Le Nevada, c'est dans le milieu. Il n'y a pas de mer. Donc, ceux qui ont la côte en Floride, la Californie, et puis non, Billings dans le Montana, c'est la frontière avec le Canada, Billings, dans le Montana. Le Delaware, ouais, le Delaware, c'est la frontière aussi. Il y a une côte, hein. Ouais, il y a une côte dans le Delaware, c'est vrai. Mais l'Amérique est gigantesque. Franchement, hein, quand je serai vieux, ça va être un projet aussi. Sillonner l'Amérique avec une voiture. J'ai longtemps rêvé de faire ça. Traverser le désert du Nevada, apparemment il y a un désert, traverser le désert du Nevada, ça c'est tout. Là, je rêve de ça en fait. Et c'est pratique hein, en 4x4. Oui. Et bon, je connais des gens qui ont fait. Hein. J'ai toujours dit que j'étais fasciné par le désert. Donc mon rêve, c'est de traverser le désert, c'est-à-dire faire par exemple la route New York jusqu'en Californie, pas en route, et traverser ce désert-là. Et plus tard, le désert des Gobi. Oui, parce que le Sahara, je l'ai fait déjà. Bon, j'ai déjà fait le Sahara et je connais bien le Sahara. Donc, next, le désert américain plus le
désert de Gobi. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai envie de parler. Il est déjà 20h17 et l'horloge, ça tourne. Et si je ne fais rien, je peux rester ici jusqu'à pas d'heure, hein, jusqu'à 21h et après, ça va être trop tard. Donc, merci infiniment. On se voit demain très tôt le matin. Bon, ça passe très tôt. 7h50, au volant de ma voiture, on décrypte, on parlera de tout et de rien. Mais comme j'ai dit, on va faire une trêve parce que c'est octobre, parce que c'est en automne, parce que c'est bientôt Noël, parce que on ne peut pas se faire la guerre constamment. Et rendez-vous samedi matin sur ma page Bertrand Chiffoumont. Et comme j'ai dit, pardon, arrêtez de signaler ma page, arrêtez avec ça. Donc, et je vous fais la promesse aussi de ne plus vous accabler, d'accord? Mais je vais décrypter ce que vous faites. Si Fleur sort encore avec un god en plastique, je vais sortir et crier au secours. Je vais hurler ma colère. Et quand je hurle ma colère, c'est surtout parce que Fleur est suivie par nos enfants. L'autre jour, ma fille est venue et m'a dit, « Papa, écoute ce que le Foda raconte. » Elle dit qu'elle avait 10 ans, par exemple. Mais j'ai eu honte. J'ai eu honte. Alors, donc, faisons attention à ce qu'on dit. Et voilà. Hein? Donc, sur ce, à très bientôt. Bon, Julien Mia, j'espère que je répondrai à ta question, Julien Mia. Allez, gros bisous, Thérèse. Et à très bientôt. Bisous. À Alice Dana aussi. Bisous à... oui, attends, je te cherche, Angelus. Oui, à Angelus. Hein. Bah, Angelus, bisous à toi aussi, Angelus. Et puis voilà, à demain. Ouais.